Qu'est-ce que tu fais là? Non, monsieur, non, s'il vous plaît. Allez, barre-toi, je veux plus te voir. Quelqu'un? Ah ah! De la mairie et de toute la communauté, je te prie d'accepter nos sincères condoléances. Ton oncle était un homme de qualité. Et nous étions fiers de le compter parmi nous. Merci. Alors qu'il est... Il est sûrement là-haut, en train de jouer aux cartes avec Rose. Je suis désolée. Cher Alexia, si je peux vous aider dans ces moments difficiles, je suis toujours courtier. Si vous avez besoin de conseils pour les terres de votre oncle, allô? Ouais. Ok, j'arrive. Claude t'aimait comme sa fille, tu sais. Et moi, je l'aimais plus que mon père. J'imagine que tu viens pas dormir à la maison. Je voudrais pas te compromettre aux yeux du village. De toute façon, je signe les papiers chez le notaire, je ferme le masque et je rentre à Montpellier. La fille du drac. Pas Hugo ? Faut pas rester là. Rien n'a changé ici depuis que ton père t'a chassé. Ils disent que c'est toi qui as réveillé le dragon, mais il est toujours là, tu sais. Écoute-moi. Lâche-moi.
que vous voulez? Vous me faites peur, là. Vous voulez bien baisser votre fusil? Vous êtes Alex? Comment vous connaissez mon nom? Baissez votre arme, s'il vous plaît. On m'avait dit que vous étiez dangereuse, mais alors à ce point-là... Non, pardon, c'est pas drôle, je recommence. Sylvain Jaume, je loue à votre oncle la maison des vignes. Il m'a souvent parlé de vous. Ok. Il m'avait parlé de vous aussi, oui. C'est vous qui l'avez glissé sous ma porte? Je vous promets que non. Vous saviez que mon oncle avait été égorgé? Non, il n'a pas été égorgé. Après son arrêt cardiaque dans les bois, un sanglier l'a mutilé. Vous y croyez vraiment à ça? C'est ce qu'on dit au village, en tout cas. Vous avez parlé avec son médecin? Oui. Apparemment, il avait déjà eu un malaise cardiaque une semaine avant. C'est vrai que depuis 2 ans, je venais moins souvent le voir, mais... Enfin, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on vous a apporté cette photo? Et qui? Qui voulait que je voie ça? Quelqu'un qui cherche à vous faire peur? Ou à vous rappeler quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous le savez bien, il y a plus de 20 ans, le corps de la jeune fille qui a été retrouvée avec les mêmes griffures. Au village, personne n'a oublié. Et qu'est-ce qu'on dit au village? Qu'elle est morte à cause de moi, c'est ça? Ou carrément que c'est moi qui l'ai tuée? Non. On raconte que vous avez défié le drac, qu'il s'en est pris à Marie et l'a tuée. Écoutez, J'ai jamais cru au Père Noël, alors un dragon qui hante une source, qui réveille le mal. Pardon, je voulais juste savoir si vous allez vendre la propriété. Je sais pas encore. Vous comptez rester quelque temps? Non, je repars demain. Déjà? Je dois rentrer à Montpellier pour mon travail. Ah oui. Votre atelier de photo? Vous connaissez toute ma vie? Mais non. Non, mais votre oncle m'a parlé de votre passion, voilà. Il était triste que vous ne veniez pas le voir plus souvent. Mais il était très fier de vous. Bon, je vous dérange pas plus longtemps. Maintenez. Rappelez-moi, quand vous voulez. Partez pas si vite, il faut du temps pour tourner la page. À bientôt. Tiens, le drac, c'est le village qui régale. Et bonjour à tes potes. Tais-toi, Alex, on est dans une église. Franchement, papa, ça sert à quoi tout ça? C'est débile. Oh, arrête! On ne défie pas le drac. Vous êtes ridicule. Il ne perd rien pour attendre. Tu leur as gâché leur fête, quoi. Toi aussi, t'as fait du drac? Bon, on rentre? Bon. La dernière arrivée à la sauce fait 10 parties de flipper à l'autre. Ah, ce sera pas moi! Aïe! Mais Marie, attends! Thank you.
arrêter où? C'est là où t'as entraîné Marie? J'ai rien fait, moi. Elle était même pas à la source, j'étais seule. Abravedia, Loudrak. Bonjour. Encore vous? Vous êtes comme ça avec tout le monde ou juste avec moi? J'ai pas encore pris ma décision au sujet de la maison des vignes, mais mon notaire vous appellera. Alors vous repartez, vraiment? Je récupère les chiens de mon oncle chez ma mère et je repars, oui, pour Montpellier. J'aime bien votre mère. Parce que vous connaissez ma mère en plus. Oh, tout le monde se connaît ici. Vous devriez venir avec moi au marché aux truffes. Non, merci. Pourtant, c'est l'occasion de prendre votre revanche. Maintenant que vous êtes propriétaire des plus belles truffières de la région. Allez, venez. Tenez, les 550. C'est bien posé. Sans blesser. Bonjour, Vassel. Bonjour. 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 Belle, hein? Ils sont belles, ils sont belles. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mes condoléances. Ça nous manque ici. Sans lui, c'est pas pareil. Vous aviez raison, c'est savoureux, ce petit goût d'hypocrisie. J'imagine, oui. À ce propos, qu'est-ce que vous allez faire avec les truffières de Claude? Je sais pas encore. Alexia Méjean, quel plaisir de vous revoir ici. Sylvain Jaume, Yves Tessier. Bonjour. Jour historique aujourd'hui. Le kilo atteint les 1 000 euros. On peut dire que l'année était bonne. Oh, je mentirais si je vous disais que mes affaires allaient mal. À ce propos, Alex, je voulais m'entretenir avec vous. Parler d'avenir, une autre. Rassurez-vous, pas ensemble. Hein. Que feriez-vous d'un vieillard comme moi? Pas si mal conservé quand même pour mon âge, hein. Qu'en dites-vous? Les affaires, ça conserve. Elle a raison. Vous êtes bien la nièce de Claude, vous. Jamais un mot qui dépasse. Hein. Tessier! Oh non, pas lui. Salopard! Voilà un homme qui mériterait d'être enfermé. Tessier, salopard, escroc! Sois gentil, Paul, va-t'en. Pardonnez-le, il tient très mal l'alcool et il est persuadé du contraire. Non, mais tu crois que tu me fais peur à moi? Bon, ça suffit maintenant, tu dégages! On se calme, on se calme. Ou j'appelle les gendarmes. Je vais te tuer! Va-t'en, va-t'en vite. Lâche-moi! Oui. C'est bien que tu prennes les chiens de Claude, Omas. C'est sûr que chez toi, ça fait désordre. Mais non. Je suis contente que tu sois pas toute seule là-haut. Rentre. Tu lui as jamais pardonné à ton père, hein? Je ne vous ai jamais pardonné. On y va? Allez.
savez ce que je vais faire de vous, mes chiens. Hein? Bah oui, je sais. Quelqu'un ? La victime s'appelle Yves Tessier. Il est de votre village. Vous le connaissez, non ? Ouais. Regardez ce qu'on lui a fait. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Il y a un truc dans la bouche. Il faut faire analyser les plaies. J'ai pas l'impression que ce soit lui qui a fait le coup cette fois-ci. Non. D'autant que là. Regardez. Au moins, c'est signé. C'est la femme qui habite là-haut. Alexia Méjean qui a découvert le corps et prévenu la gendarmerie. Vous voulez l'interroger ce soir ? Non. Dites-lui de passer demain. En attendant, rassurez-la. Postez deux hommes devant chez elle pour la nuit. Bien, capitaine. Bonjour. Bonjour. Alexia Méjean, je viens faire une déposition au sujet de la mort d'Yves Tessier. Oui, très bien, je vais prévenir le capitaine Messac. Marc Messac ? C'est lui qui... Merci. Capitaine, Alexia Méjean est là. Ah. Faites-la entrer, s'il vous plaît. C'est bon, vous pouvez y aller. Merci. Ça fait combien de temps ? 20 ans, peut-être. Un peu plus, maintenant. Vas-y. Merci. Je suis désolé pour ton oncle. Pourquoi m'avoir caché les circonstances de sa mort ? Il a eu une crise cardiaque massive, on te l'a pas dit ? Non, mais je te parle des lacérations sur son corps. Non, le légiste est formel, il a été abîmé post-mortem. Certainement par un sanglier, c'était pas la peine que tu vois ça. J'ai vu. On m'a déposé une photo. Quelle photo ? Aucune idée. On a glissé une enveloppe sous ma porte. En tout cas, avec le meurtre de Tessier lacéré lui aussi, là. La thèse du sanglier, ça tient plus debout, non ? Non, non, attends. Va pas trop vite. On attend le résultat des analyses, d'accord ? T'as pas repensé à Marie ? Si. Si, j'ai pas arrêté, j'ai même ressorti l'enquête qui avait conclu à une mort par rupture des cervicales à cause de sa chute accidentelle dans le ravin. Mais qui a déplacé son corps cette nuit-là ? Qui est allé le mettre devant la grotte du Drac ? On n'a jamais su. Non, mais on a voulu faire croire au Drac, comme aujourd'hui. Pourquoi faire ressortir cette vieille légende pour faire peur à qui ? J'en sais rien. Écoute, il me faut des preuves. Raconte-moi ce que t'as vu le soir de la mort de Tessier. J'ai mis par écrit tout ce que j'ai déjà dit à tes hommes hier soir. Super organisé. Et à part ça, t'as rien vu d'autre ? Une silhouette, un véhicule, quelque chose ? Non, rien. Et est-ce que Tessier devait venir chez toi ? Pas que je sache.
On s'est juste vu au marché aux truffes le matin. Oui, je sais, j'ai eu le témoignage de son altercation avec Hugon, qui a menacé de le tuer. Mais on est d'accord que le meurtrier fait référence au drac. Mais oui, bien sûr. Écoute, j'ai passé en revue toutes les légendes de dragons dans la région. Alors évidemment, il y a des variantes, il y en a plein, mais chaque fois c'est pareil. Le drac représente le mal caché en nous, et qui ressurgit pour tuer, pour enlever quelqu'un. Ouais, je sais, il symbolise tout ce qu'on a de mauvais en soi et qu'il faut combattre, comme Saint-Georges qui terrasse le dragon. Ouais, exactement. Mais c'est quoi le rapport entre mon oncle et Tessier? Pour l'instant, je vois pas. Non, tout ce que je sais, c'est qu'on a retrouvé le cadavre de Tessier avec des truffes dans la bouche. Un règlement de compte entre truffeurs, je sais pas, on cherche. Capitaine, on a les résultats du labo. Oui, merci Karim. Je finis avec madame. Tu peux dire, mademoiselle. T'es pas mariée? Non. J'ai été longtemps avec quelqu'un, mais c'était compliqué. Et toi? Moi aussi, c'était compliqué. J'étais mariée, mais enfin, elle supportait plus mon boulot. Tu vas rester encore un peu au mas? Non, je comptais rentrer sur Montpellier. Ah non, non, non. En tant que témoin, je vais te demander de rester encore quelques jours dans les parages. Je suis désolé. Enfin, pas vraiment. Alors, je serai là. Tu seras prêt pour demain. On attend beaucoup de monde. Monsieur le maire. Léon, s'il te plaît. Je te revois encore gamine jouer dans le jardin avec mon fils. Comment allez-vous, Léon? Ma foi. Ça fait des années que je me bats pour que cette fête fasse la renommée du village. La mort de Tessier tombe vraiment mal. Pourvu que les gens ne paniquent pas. Certains croient encore au drac, tu sais. Apparemment, oui. Heureusement, l'affaire est en bonne main. On peut faire confiance à Marc. Ça va, pas trop seul, là-haut, dans ce vieux mas? Ça va, merci. Et si tu venais dîner à la maison ce soir? Marc sera là, bien sûr. Il est revenu habiter à la maison après la mort de Rose. Je compte sur toi, ça lui fera plaisir. Il vient d'arrêter Paul Hugon. Avec un peu de chance, cet ivrogne est bien le meurtrier. À ce soir. À ce soir. Encore une fois, où étiez-vous hier à 23h30? J'étais trop bourré pour m'en souvenir, je vous dis. Pourquoi vous avez menacé Tessier de le tuer? Mais si j'avais vraiment voulu le faire, je m'en serais pas vanté devant tout le monde, hein. Et qu'est-ce qui vous a fait, hein? Il vous a volé? Vous avez escroqué, c'est ça, hein? Ce mec-là, c'était une ordure! Tout le monde voulait le tuer! Et c'est vous qui l'avez fait! Mais bordel, je suis peut-être qu'un bâtard dont jamais personne n'a voulu, mais j'ai jamais tué personne, moi! Je suis pas comme vous, hein! Ouais, le capitaine était en légitime défense, d'accord? Et s'il n'avait pas tiré, lui et moi, on serait morts aujourd'hui. Ça va, Karim. Et alors? Il a flingué un type, hein? Pas moi? On le remet en cellule de dégrisement. Vous êtes en garde à vue. Ça vous rafraîchira peut-être la mémoire. En attendant, on va vérifier votre emploi du temps. C'est pas moi, je vous dis. Attendez, mes chiens. Je reviens. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes qui? Bonjour. Je viens pour mes chiens. Ah, je te reconnais. Je suis Alex, la nièce de Claude Méjean. Oui, la fille d'Yvon et d'Annie. Ça y est, t'es revenue. Pauvre Claude. Je vais devoir rentrer chez moi en ville et je vais pas pouvoir garder les chiens de mon oncle. Je m'étais dit que... Non! Je suis pas la SPA. Il faut que tu t'en ailles maintenant. Allez, va-t'en! Va-t'en! Dis-moi, t'es au courant d'un truc entre Tessier et Hugon? Un truc pas net, hein? Ça va, papa? Hugon n'a plus un rond.
Il devait de l'argent à Tessier, ça le rendait dingue. Il a dû se faire un délire d'alcoolique et il l'a tué. Un règlement de compte, en fait, quoi. Te plaît toujours, la petite Méjean? C'est devenu un bon parti, maintenant, avec ses héritages. Papa, je compte sur toi ce soir, hein. T'en fais pas trop. Non. Bonsoir. Entre. Suis-moi. Merci. Et voilà, c'est extraordinaire, non? Vous avez toujours bien raconté les histoires. Je n'invente rien, c'est la vie qui est comme ça. Et toi, non? Toujours la photo? Toujours, oui. Je viens d'ouvrir un studio à Montpellier. Ça marche? Pas mal. Je suis en train de préparer une expo pour une galerie d'art et sinon je restaure des photos anciennes, voilà. D'ailleurs, je regardais les photos tout à l'heure. Celle-ci, là, c'était la guerre d'Algérie, non? Ah oui, j'étais bien jeune. L'agrandissement est un peu grossier, c'est dommage. Si vous avez conservé le négatif, je pourrais vous faire un tirage plus fin. Ah non, merci. Certains souvenirs gagnent à rester ce qu'ils sont. Je t'en sers? Non, ça va, merci. Marc? Non. Non, désolé, je dois retourner au boulot, moi. Alors, Hugo, coupable? Pas de preuves, pas d'empreintes, pas d'armes de crime. Et le Parisien? J'ai oublié de te dire, mais ma secrétaire l'a vu rôder la nuit du meurtre. Ah bon? Elle en est sûre? Bah, interroge-la, tu verras bien. C'est qui, le Parisien? Sylvain Jaume, ton locataire de la Maison des Vignes. Tu le connais pas? Si, je l'ai croisé. Non, parce qu'il est toujours tout seul. On sait pas trop de quoi il vit. C'est à cause de l'assistance. Et les enfants abandonnés, trimballés d'orphelinat en famille d'accueil, ça donne rien de bon. Vous pouvez me croire. D'ailleurs, il a un casier, non? Oui, mais c'est vieux. Pour bagarre, vol de véhicule aussi, je crois. Non, ça m'étonne pas. Moi aussi. En attendant, mon père a raison. Tu ferais mieux de garder tes distances. Pas de quoi être jaloux. Franchement, y a pas photo. Papa. Je suis désolé. Mon père a monopolisé la conversation. Il a toujours fait ça, non? Sauf qu'avant, ma mère le tempérait, l'équilibrait. Et depuis qu'elle est plus là, bah, il en fait trop. C'est normal, c'est encore frais. Faut du temps pour tourner la page. T'as raison, oui. Je te raccompagne au mas? Non, ça va, je... Excuse-moi. Oui, Karim. Non, mais j'arrive. Je te dis, j'arrive. À tout de suite. Il y a un problème? Hugo a un alibi. Faut que j'aille vérifier ça. Le coupable est toujours dans la nature, alors. Tu me promets de bien t'enfermer à clé? Oui, promis. Tu me tiens au courant? Promis. Sylvain?
Capitaine, on a les résultats d'autopsie. Cause de la mort de Tessier, sectionnement de la carotide aux alentours de 23h30. Le légiste a trouvé des traces de mélanosporum et de terre dans ses blessures. Et vu la profondeur et l'écartement des plaies, il pense que l'arme du crime est peut-être un pic à truffe. Ouais, enfin, tous les truffeurs du coin en ont un. Quoi, ce sera un règlement de compte. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Mais Jean est mort. Il avait les plus belles truffières. Le légiste n'a rien dit à propos de ses blessures? Si. L'écartement des griffes est le même. Alors il nous faut la liste de toutes les personnes susceptibles d'acheter les terres de Méjean. Ok, je m'en occupe. Et moi je libère Hugon, on n'a plus rien contre lui. Vous faites là? La porte était ouverte. Sans m'étonner, je l'ai fermée à clé hier soir. Quelqu'un est venu cette nuit. Les chiens n'ont pas réagi. Exactement comme maintenant. C'était vous? Ah, je suis désolé, mais j'en suis pas encore au point de venir vous regarder dormir la nuit. Et quand je rends visite à quelqu'un, je me sauve pas comme un voleur, moi. Votre pièce consacrée aux dragons, là, c'est un truc de malade. Vous croyez que c'est rassurant avec tout ce qui se passe en ce moment? Les dragons, c'est mon travail. Non, oui, bien sûr. Je crée des jeux vidéo. Et en ce moment, j'en développe un sur le drac. Vous n'avez pas regardé ma carte? Game designer. Mais je peux vous montrer sur internet si vous préférez. Pourquoi vous avez des photos de mon amie Marie chez vous? Marie? C'était la fille de ma famille adoptive. Quoi? Je savais qu'ils avaient quitté la région après sa mort et... qu'ils voulaient devenir famille d'accueil, mais... Je suis resté chez eux de mes 13 ans, ma majorité. Voilà. Il y avait des photos de Marie partout, sur les murs. Ils avaient besoin de parler de leur drame. Depuis, le mystère de sa mort m'a toujours obsédé. Le drac aussi, apparemment. C'est curieux, cette fascination. Vous êtes méfiante de nature ou c'est la fréquentation des Messacs qui vous rend aussi parano? Vous m'espionnez? Je les aime pas beaucoup. C'est réciproque, je crois. J'imagine que vous n'allez pas rater la fête du drag de ce soir. Ah, perdu. Je dois faire un aller-retour à Paris pour mon boulot, justement. Mais je veux bien dîner avec vous un autre soir. Décidément, vous doutez de rien. Ça y est, vous êtes à nouveau désagréable. Bon, vous me raconterez la fête quand même? Ah non, j'y mettrai pas les pieds. Les superstitions, c'est pas trop mon truc. On ne fait pas s'entendre. J'ai jamais cru aux monstres. Ni aux filles qui portent malheur. Désolée. Bonne journée. Oui, allô? Qui ça? Je vous entends pas très bien. Paul Hugon? À la fête du drac? Vous êtes bien sur le répondeur de Marc Messac. Merci de laisser un message. Marc? Hugo m'a donné rendez-vous au village. Il a une révélation à me faire, apparemment. Bon, bah, je te rappelle après pour te raconter. D'accord. Ciao.
Excuse-moi, je voulais pas te faire peur. Hein. J'ai pas beaucoup de temps, il faut que je m'en aille. Toi aussi, tu devrais partir, on n'est pas de taille. À quoi? Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Écoute-moi. Quand ton oncle a fait sa crise cardiaque il y a 2 semaines, il croyait qu'il était foutu. Alors à l'hôpital, il m'a fait promettre de te dire que la mort de Marie, c'était pas de ta faute, que tu y étais pour rien, et que de mettre son corps devant la source du drac, c'était pas son idée. Mais il savait ce qui s'est passé cette nuit-là? Non, il a dit que Marie avait surpris quelque chose qu'elle aurait pas dû voir. Quoi? Vous y étiez? Non, mais le lendemain de sa mort, j'étais dans le coin, j'ai trouvé un briquet. Et alors? Quand je suis allé le rapporter à son propriétaire, il m'a dit qu'il avait fait une chose terrible. Mais qui ça? Il fait quoi? Je comprends rien à ce que vous dites là. Qu'est-ce que mon oncle a à voir avec tout ça? Le briquet? Oui. C'était le sien. Quoi? Quand je lui ai dit où je l'avais trouvé, il est devenu comme fou. Il m'a dit que le drac le tarotait depuis des années, qu'il n'en dormait plus la nuit. Mais pourquoi vous n'avez pas prévenu la police à ce moment-là? J'ai juré à ton oncle de rien dire s'il me donnait 3 hectares de ses vignes. Faut faire confiance à personne ici, tu vois. Il faut que tu t'en ailles. Tout ça, ça va mal finir. Alex! Sauve-toi, fous le camp. Paul! Paul? Paul? Même constatation que sur Tessie. Les lacérations ont tranché le larynx et la carotide. Apparemment avec le même style d'arme. Des truffes dans la bouche? Non, pas cette fois. Mais le meurtre a été découvert par la même personne. Faites évacuer la victime vers l'IML. Ok, je m'en occupe. Alors moi aussi, je peux y aller? Non. Vous restez sur la scène du crime. Merci. Bien. Bah du coup, je vous rejoins pour l'interrogatoire, non? Paul Hugon avait peur. Et il était pas sous, c'est bien ça qui m'inquiète. J'aurais bien aimé en savoir plus sur cette histoire de briquet, mais... il s'est passé un truc bizarre. Quoi? Sylvain Jaume m'avait dit qu'il devait partir sur Paris. Et en fait, il était au village. Il me cherchait. Il m'a appelé et c'est ce qui a fait fuir Paul Hugon. Il aurait eu peur de Jaume? Mais d'abord, comment Sylvain Jaume savait que t'étais au village? Aucune idée. J'arrive pas à croire que mon oncle ait quelque chose à voir avec la mort de Marie. Mais non! Alex, le rapport d'enquête de l'époque est clair. Personne n'a tué Marie. Elle est morte sur le coup dans sa chute. Si c'est pas mon oncle qui l'a ramenée devant la grotte, qui lui a déchiré la gorge? Qui? Mais sûrement quelqu'un qui t'a entendu défier le drac quelques heures avant. Ça faisait de toi la coupable idéale pour tous les gens du village. Mais pourquoi mon oncle m'a rien dit? Pourquoi il a laissé tout le monde s'en prendre à moi? Et mon père m'a enfermé en pension pendant des années. Je peux pas m'être trompée à ce point sur lui, c'est pas possible. Il était comme mon père. Mieux que mon père. Peut-être que tu connaissais que le meilleur de lui. Je lui ai jamais posé aucune question, c'est vrai. J'ai juste profité de son affection. Mais ton oncle, Tessier, Hugon, ils se fréquentaient jamais. Sauf au moment de négocier leur production de truffes. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Je suis sûre que c'est lié avec les meurtres d'aujourd'hui. Avec la masse d'argent liquide en jeu, la concurrence est féroce, c'est sûr. Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça, moi? Il a raison, ton Karim. Ça fait 2 fois qu'un type meurt juste à côté de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu viens d'hériter d'un des domaines les plus lucratifs. Mais pourquoi utiliser la légende du drac? C'est quoi le lien avec Marie? Je veux savoir. Alex, calme-toi. Hein? Je vais trouver, c'est mon métier. Marc, si je suis au milieu de cette histoire, c'est que j'ai la solution à portée de main. J'en suis sûre. Il faut que je trouve. Malgré ce que tu risques de découvrir sur ton oncle. Il paraît qu'on peut tout pardonner à ce qu'on est. Non. Capitaine! Je peux prendre le relais de l'interrogatoire, si vous voulez. C'est pas un interrogatoire, c'est une déposition. Ah, désolé, capitaine. Juste pour vous dire que la perquisition est en cours chez Hugon, on a saisi tous ses comptes comme pour Tessier. Voilà.
Je suppose que Mademoiselle Méjean mettra à notre disposition tout ce qui concerne les comptes de son oncle. Quand vous voulez. Merci. Claude, mon amour, je voudrais vivre librement avec toi. Ne plus mentir pour te voir. Ne plus me cacher pour t'aimer. Connaître les pensées qui te font tant souffrir. J'allais t'appeler. Ah ouais? Je viens de découvrir que mon oncle avait une maîtresse. Tu le savais? Non. Écoute ce qu'elle lui écrivait. Si je pouvais te délivrer de ce secret qui te ronge le cœur depuis tant d'années, pourquoi ne peux-tu rien me dire? Et tu crois que c'est lié à la mort de Marie? On dirait que c'est pas seulement ça qui le rongeait, mais un secret plus ancien, non? Ah, c'est possible. Écoute, c'est pas pour parler de l'enquête que je t'appelais. Hein. C'est... D'ailleurs, je te rappelle que c'est mon boulot, quand même. Hein. Mais en fait, voilà, je t'appelais parce que... Parce que j'avais envie de t'entendre. Tu me manques. C'est vrai? Ouais. Je peux passer? Ok, d'accord. C'est peut-être pas une bonne idée. Ouais, peut-être. Ah, j'ai un double appel, là. Il faut que je réponde. Ok. Bon, bah, je t'embrasse, alors. Ouais, moi aussi. Je t'embrasse. Seul, sans prendre à ce pauvre grand, peut-être une sale bête. Moi, je dors plus. Monsieur le maire, il faut faire quelque chose. Il faut que ça finisse. Calmez-vous et écoutez-moi. Tous les effectifs de la gendarmerie sont mobilisés. On met en place des patrouilles dans le village, jour et nuit. Et je suis personnellement l'enquête de très près. D'ailleurs, si vous avez le moindre soupçon, ou même un détail à signaler, je suis à votre disposition. Comme par hasard. Juste au moment où la fille Méja est de retour. Moi, j'appelle pas ça du hasard. Ça n'a rien à voir. Ça suffit de vous en prendre à ma fille. Elle a déjà payé assez cher vos médisances. Tu la défends maintenant? Arrête, Jean-Marie. Oh, ça recommence comme avec la petite Marie, saignée par le drac. On va pas ressortir cette vieille histoire du drac. Mais il y en a qui s'en servent pour tuer. C'est le travail de la gendarmerie. Vous connaissez tous Marc, c'est un garçon consciencieux qui fait bien son boulot. Alors s'il vous plaît, rentrez chez vous. Et faites-nous confiance, on vous protège. S'il vous plaît, allez. Ta fille ne te laissera pas une miette de l'héritage. Je te fatigue pas la défendre. Je laisserai plus personne lui faire du tort. Alex? Quoi? Mais qu'est-ce que... Tout de suite? Non seulement tu m'as abandonné, mais tu m'as toujours menti. Alex, je ne t'ai pas... Facile pour toi d'entrer ici, hein? En plus du lit de Claude et de l'affection des chiens, j'imagine que t'as obtenu la clé? C'était pour récupérer ça? C'est ton écriture. Les rares cartes postales que tu m'as envoyées t'ont trahi. Je voulais pas que tu la prennes de cette manière. Je voulais t'en parler moi-même. Mais t'es tellement dure. Tellement... fuyante. Depuis quand tu couches avec le frère de ton mari? Un an après la mort de ton père. J'arrive même pas à te croire. Ça me dégoûte. Ne salis pas cette histoire, tu la connais pas. Jamais Claude. Depuis toujours. Et je l'aime encore. Arrête. Alex. C'est pour savoir que tu m'as fait venir. Alors écoute-moi, pour une fois dans ta vie.
J'avais 20 ans quand je suis arrivée au village pour travailler. Les deux frères, mes jambes tournaient autour. Moi, j'ai tout de suite préféré Claude. Mais il s'est jamais déclaré. Quand j'ai osé lui dire que c'était lui qui me plaisait, il m'a dit qu'il se marierait jamais. Qu'il n'était pas un homme pour moi. Pourquoi ? J'ai jamais pu le savoir. T'as choisi mon père par défaut. Par raison. J'ai tout fait pour être une bonne épouse, je l'ai jamais trompé. Mais il savait que j'étais pas amoureuse de lui et ça le rendait jaloux. Il était jaloux de tout, même de toi. De moi ? Oui, tout était prétexte. Ta fantaisie, tes incartades, ton refus de te laisser enfermer dans ses idées. Et surtout l'affection qui te liait à Claude. Il s'est même mis en tête que t'étais sa fille. Non, Alex. Ton père était bien ton père. Il n'y a pas de doute possible. Pourquoi tu m'en as jamais parlé ? Mais parce que tu avais 14 ans. Alex, tu étais intransigeante, exaltée, imprévisible. Je te faisais honte ? Mais non ! Moi, je les aimais, tes incartades, tes scandales. Tu osais faire tout ce que j'avais jamais osé faire, y compris tenir tête à ton père. Ça t'a pas empêché de m'abandonner, maman ? Je pensais que tu serais mieux loin de nous, loin de toute cette violence. Mais je reconnais, j'ai pas su faire. Après la mort de papa, pourquoi vous avez continué à vous cacher ? À cause du qu'en dira-t-on ? À cause de moi ? Non, moi je rêvais de vivre avec lui, d'assumer, même vis-à-vis de toi. C'est Claude qui refusait catégoriquement. Il était comme rongé par la culpabilité. Mais pourquoi, depuis quand ? J'ai jamais pu le savoir. Il portait en lui un secret. Quelque chose de trop lourd pour être partagé avec qui que ce soit. Est-ce que tu crois que c'est lié avec la façon dont il est mort ? Avec tous ces meurtres ? J'ai jamais cru à cette blessure faite par un sanglier. C'est pour ça que j'ai glissé la photo sous ta porte. C'était toi ? Oui. Je savais que tu chercherais la vérité. Oui, Marc. Ouais, Alex. Écoute, je suis pas censé te prévenir, mais mes hommes sont en route pour faire une perquisition chez toi au Mas. Non, 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 t'inquiète Capitaine, pas. Capitaine, je viens de trouver un truc. Bon, avant d'entrer, vous attendez que je vous le dise, d'accord ? Ouais, c'est vrai, ouais. Désolé. Mais vous allez voir, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qui t'angoisse ? T'as peur qu'il trouve quelque chose ? Toutes les lettres sont là, non ? Je sais que Claude voulait écrire une lettre. Une confession. Une confession ? Mais pourtant, j'ai fouillé partout, j'ai trié tous ses papiers, j'ai rien vu. Il t'a dit ça quand ? Après son infarctus. Il sortait de l'hôpital, il avait vu la mort de près. Il m'a dit qu'il avait une dette envers toi. Il voulait t'écrire pour partir en paix. Faudrait mieux qu'on la trouve avant les gendarmes. Trop tard. Tiens, elles sont à toi. Mais pourquoi ? Je les connais par cœur. Voilà, ça correspond. L'année dernière, Hugon était endetté au maximum. Tessie a tout épongé. Contre une hypothèque sur Sévigne ? Une promesse de mort, oui. Comment vous le savez ? Non, parce que Tessie était courtier, mais était surtout promoteur. Toujours à l'affût du moindre terrain. À propos de terrain, j'ai repéré un point commun entre Tessier et Méjean. Ils ont tous les deux acheté leur terre en rentrant de la guerre d'Algérie. Je sais pas, mais faut peut-être creuser ça, non ? Ouais, mais vous voulez en venir où, là ? Bah, c'est bien votre père qu'ils ont acheté leur terre, Tessier et Méjean. Oui ? Et aussi un certain Francis Julien. Vous le connaissez ? Oui, enfin, mais tout le monde le sait. En 63, quand mon père a hérité, il a gardé ce qu'il pouvait exploiter lui-même et il a vendu le reste. Pour une bouchée de pain ? Lui qui est si dur en affaires. Non, non, mais à l'époque, ça valait rien. C'est plus tard que les truffières ont commencé à prendre de la valeur. Non, non, on se concentre sur la mise en scène du drac. Il faut trouver un lien avec la mort de Marie, d'accord ? Ok, je vais regarder ça. Ouais. Et maintenant, promis, hein, j'attends que vous me répondiez pour rentrer. Papa ? Oui, mon grand ?
Ouais, dis-moi, quand vous êtes rentré d'Algérie, là, avec Tessier, Méjean et Julien, et que tu leur as vendu les terrains de ton héritage, il s'est rien passé de particulier? Bah non, pourquoi? Bah parce qu'à ce prix-là, c'était presque un cadeau, non? Ah oui, ça. Je m'en suis bien mordu les doigts. Quand on a tous failli crever ensemble, je leur ai dit que si j'héritais de ma tante Félicie, ça n'aurait leur part. Mais tu me connais, quand je dis quelque chose, je le fais. Mais après, ça a été chacun pour soi. Pourquoi tu me parles de ça? Enfin, papa, deux d'entre vous sont morts. Avec des lacérations. Et du coup, t'as peur pour moi? C'est ça, mon garçon? Ah oui, et tu vois aucune raison d'être menacé? Je voulais pas t'embêter avec ça, mais je me sens pas tranquille. J'ai beau réfléchir, je comprends rien à ce qui se passe. Et quand vous étiez en Algérie, il s'est rien passé entre vous qui pourrait... Et tu vas me foutre la paix avec ça? Si tu mènes ton enquête en remontant à l'Antiquité et en tremblant pour ton père, t'es pas prêt de l'arrêter, le coupable. Mais non, mais calme-toi! Si c'était passé quelque chose dans le village qui concerne l'une des victimes, tu me le dirais, non? Parce que tu me soupçonnes de te cacher les choses? Mais non, j'explore toutes les pistes. Je te rappelle ta règle d'or. Quand on commence quelque chose, on va jusqu'au bout. Mais nom de Dieu, je suis ton père! Le maire de ce village depuis plus de 20 ans! Et tu veux me faire subir un interrogatoire? Mais papa... Merde! Fous-moi la paix! J'aurais pas dû m'énerver, hein. Tu savais me protéger, toi. Pourquoi t'es partie, Rose? Vous écoutez aux portes? Mais pas du tout, j'attendais que vous me disiez de rentrer. J'ai des éléments à vérifier, je suis joignable sur mon portable. Mais pour l'interrogatoire? Je vous laisse faire. Et vous me le lâchez pas. On a pris les documents comptables. Désolé pour le dérangement. Au revoir, mesdames. Au revoir. Si la confession était là, il l'aurait trouvé, non? Ouais. Tu veux que je t'aide à ranger? Non, ça va aller. Tu ferais mieux de rentrer. Si t'as besoin de quoi que ce soit. Tu m'appelleras? Bonjour. Bonjour. Je viens consulter les archives des appelés de la guerre d'Algérie. Par ici. Merci. Quelqu'un? Qui est-ce? Sylvain Jaume. Je vais vous remercier. De quoi?
des 3 heures d'interrogatoire que je viens de subir à la gendarmerie. J'ai même pas eu droit au Big Boss, mais à son sous-fifre. Un obsessionnel du détail. C'est un grand malade, ce flic, hein. Donc merci. Merci de leur avoir dit que j'étais sur le lieu du meurtre d'Hugon. Et vous en lâchez. Vous faisiez quoi à la fête du drac hier soir? Hugon vous a appelé juste quand on s'est quitté. Je vous ai entendu lui répondre que vous le rejoindriez au village. J'étais assez idiot de m'inquiéter pour vous. Mais de quoi je me mêle? Je vous ai rien demandé. Vous êtes gonflé quand même, hein. À cause de vos soupçons, je me retrouve impliqué dans cette affaire, moi. Interdiction de quitter le village, tant que ma déposition n'aura pas été vérifiée. Alors je sais pas, mais dites-moi au moins ce que voulait Hugon. Je suis désolée, mais vous n'êtes pas chargé de l'enquête. Je veux comprendre ce qui se passe. Parce qu'à mon avis, la série macabre va continuer. Et je suis sûr que ça a un lien avec la mort de Marie. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? La même chose que vous. Alors maintenant, il faut trouver le lien entre votre oncle, Tessier, et Hugon. Bon, si vous avez une piste, il n'y a pas de temps à perdre, dites-le. C'est ce que j'allais faire, mais pas à vous. C'est Marc qui s'occupe de l'enquête. Alors maintenant, je vous demande de partir. A priori, il revenait de la guerre d'Algérie. Faites voir. Julien, mon oncle, Tessier. Je savais pas qu'ils avaient été militaires ensemble. C'est bizarre qu'ils n'aient gardé aucun lien. Ouais. Votre oncle vous parlait de cette période en Algérie? Non. Mais j'ai retrouvé son carnet militaire. Avec l'ordre d'incorporation. Apparemment, il a dû être appelé en même temps que Tessier et Julien. Qu'est-ce que vous faites? Où vous allez? Ça vous regarde pas. C'est Julien, c'est ça? La dernière fois que j'ai voulu lui déposer les chiens, je l'ai trouvé bizarre. Il avait son fusil à la main, il était complètement paniqué. Ah bah y'a de quoi, ses deux compagnons d'armes se sont fait assassiner. Je sais pas où, mais j'ai déjà vu ça quelque part. Quoi? La photo a été retouchée. Quelque chose a été effacé. Mes sacs. Il a exactement le même portrait de lui. Pareil. Agrandi et retouché, avec le même uniforme. Lui aussi était en Algérie avec eux. Faut que j'appelle Marc. Oh là là, attendez, attendez. Il s'agit de son père. Et puis je crois que vous êtes une grande fille qui n'a besoin de personne. Ok. Mais je dois parler à Julien, il sait forcément quelque chose. Mais et si c'était lui le dingue qui se prend pour le drac? Mais non, je le connais depuis que je suis gamine. Ah oui? Votre oncle aussi, vous pensez bien le connaître. Pourtant, il a sa part d'ombre, non? Ouais, écoutez, écoutez. Je dormirai devant votre porte s'il le faut, mais vous n'irez pas chez Julien ce soir. Non, mais vous vous prenez pour qui? Pour un idiot qui tient à vous. Oh, n'importe quoi. J'ai pas envie qu'on vous retrouve égorgé comme les autres. Je passe vous prendre demain matin à 8h et je vous accompagne chez Julien. Ça marche? Bon, ok, ça va, c'est bon, oui. Maintenant, sortez de chez moi, s'il vous plaît. Vous êtes insupportable, hein? Mais j'adore. Bon, et fermez cette porte à clé. C'est ça que tu cherchais. Marc, si tu ouvres ce dossier, tout va basculer. Plus rien ne sera comme avant. Francis. Francis Julien. Vous pouvez laisser votre message. Bonsoir, c'est Alex Méjean. Je suis désolée de vous déranger si tard, mais c'est très important. Vous êtes là? Francis, vous n'avez rien à craindre de moi. Je sais que vous avez combattu en Algérie avec mon oncle, Tessier. Mes sacs. J'ai besoin de votre aide, Francis. Mon oncle était miné par un secret. Est-ce que vous savez ce que c'était? Francis, j'ai vu que vous aviez peur la dernière fois. Peur de quoi? D'être le prochain sur la liste, c'est ça? Ou alors c'est vous le coupable? Vous avez tué mon oncle et Tessier. Le prochain, ce sera qui? Non. Non, ce n'est pas moi. Mais je ne peux rien te dire de plus. Francis, mes sacs aussi est en danger, mais peut-être que lui m'en dira plus. Laisse mes sacs tranquilles. Mais pourquoi?
Laisse-le, crois-moi. Va plutôt à Sainte-Eulalie, en Ardèche. Et demande Colette Duvion, l'ancienne institutrice. Je crois qu'elle existe toujours. Francis, ne dis rien à personne. Va la voir, vite. Tessier, Julien, Méjean, et toi? Pourquoi t'as identifié Jules Charrier? Il y a une erreur? Il n'y a pas d'erreur. Comment ça? Vas-y, parle! Très bien. Je t'aurais prévenu. Ça doit pas être facile, mon garçon. Tu as un enfant gâté, Marc. Un fils unique. Adoré par ta mère et par moi. Je sais ce que je vous dois. Alors tu peux peut-être comprendre. Et pas seulement me juger. Te juger? Je suis pas un enfant de ce pays, élevé dans du coton. Je comprends pas. Je suis né à Saint-Ouen, dans la rue, comme un chien. Pardon. Et je m'appelais Jules Charrier. Jusqu'au 3 février 1962, en Algérie. Ce jour-là, nous sommes partis pour une des dernières missions de reconnaissance. Nous étions 5, paumés dans le Djebel. 5 cibles faciles, dont un blessé. Léon Messac, un jeune orphelin. Il n'arrêtait pas de pleurnicher depuis le début. Il avait peur de mourir, alors qu'une fortune l'attendait. L'énorme héritage de sa vieille tante Félicie. Il s'en est pas sorti et t'as pris sa place. C'est jamais aussi simple. La situation était là. Tout à coup, je pouvais échanger ma vie de chien contre une vie de rêve. Mais il y avait les autres. Tessier, Julien, Méjean. Il fallait qu'il se taise. D'autant que Messac était blessé, mais pas mort. Tu veux dire que vous... Le meilleur moyen pour qu'il se taise, c'était de les mouiller. Ils étaient épuisés, exaspérés par Messac. Les potes mouraient tous les jours. Et lui, il n'arrêtait pas de nous bassiner avec ce qu'il avait peur de perdre. Sa petite copine et tout ce fric qu'il allait avoir. Nous, pour pas devenir dingues, fallait qu'on se raccroche à un rêve, à un avenir. Et c'est là que je leur ai proposé de récupérer l'héritage de Messac et de le partager avec eux. Des hectares de chênes truffiers. Il fallait qu'ils soient mes complices. Qu'ils m'aident à faire le sale boulot. Pour lui voler son héritage. Pour devenir autre chose qu'un petit malfrat de troisième zone. Pour avoir une vraie vie. Avec une maison, une famille, un fils. Qui aurait tout ce que je n'ai jamais eu. Mais tu lui as volé sa vie! Tu crois que ça a été facile? Après, il a fallu me taillader le visage. Pour qu'en rentrant, les gens n'y voient que du feu, la tête bandée. Et ça a marché. On m'a rapatrié. J'ai même été accueilli en héros par la tante Félicie. Et au village, personne t'a reconnu? La tante Félicie n'avait vu que 2 fois le petit Léon. Et tu oses t'en vanter? Et pourquoi pas? Regarde qui je suis aujourd'hui. Et tout ce que j'ai fait pour les gens de ce village. Alors que je suis né dans la saleté et la violence de la rue. C'est pas possible, c'est un cauchemar. Marc, je sais que c'est pas facile. Mais même ta mère a compris. Elle savait? Bien sûr. Je lui ai toujours tout dit. Elle a été la 2e chance de ma vie. C'est elle qui m'a permis de devenir ce que je suis. Un homme respectable et apprécié de tous. Elle a été mon équilibre, mon garde-fou. Alors moi, ce que je suis là, je le dois à un meurtre, hein? À une usurpation d'identité? Un choix, c'est tout. Faut toujours choisir dans la vie, tu le sais bien, et ça a un prix. Maintenant, tu vas comprendre ce que ça signifie. Qu'est-ce que tu veux dire? Ta mère m'aimait assez pour tout comprendre et tout me pardonner. Je n'en attends pas moins de toi, mon garçon. Mais j'ai l'impression de devenir dingue, là. Et ces meurtres, là, maintenant? Méjean, Hugon, Tessier. Méjean sentait qu'il allait mourir. Il voulait aller tout raconter. Il a bien fallu que je fasse peur. Mais t'es ignoble! Je sais que c'est dur à entendre.
Et maintenant, tu dois tout savoir. Cette ordure de Tessie a compris que la mort de mes gens, c'était moi. Et il aime mieux me faire chanter. Si je ne classais pas le reste de ces terrains en zone constructible, il allait faire courir des bruits sur ma véritable identité. Quant à Hugon, il avait reçu les confidences de mes gens. Il allait en parler à ton ami Alex. Mais arrête, arrête! T'entends ce que tu dis là? T'as tué trois hommes! Tu voulais que je laisse foutre en l'air ma vie et celle de mon fils? Maintenant, il faut qu'on termine ce que j'ai commencé. T'as dit quoi? T'as dit on là? Il faut juste faire taire ceux qui pourraient parler. Et après, la vie reprendra tranquillement son cours. Parce que tu crois une seconde que je vais te suivre? Tu as déjà tué Marc. Quoi? Mais c'était de la légitime défense! C'était pour sauver un collègue qui allait se faire flinguer! Est-ce que tu as fait pour un collègue? Tu ne le ferais pas pour ton père et pour sauver ta vie! C'est monstrueux. Je n'ai fait que défendre mon fils, nos biens et notre avenir. Tu deviendrais quoi si ça se savait? Le fils d'un meurtrier, ta carrière serait foutue. Et Alex, tu crois qu'elle voudrait l'assassin de son nom comme beau-père? Ça suffit. On doit aller jusqu'au bout. Et je sais que tu en es capable. C'est mon sang qui coule dans tes veines. T'es un monstre. Je suis un homme qui n'avait rien. Rien que son courage pour se construire. Et c'est à toi maintenant d'en l'avoir. Colette Duvion? Oui, c'est à quel sujet? C'est moi qui vous ai appelé, je peux rentrer? Ça vous dérange pas? Bah, je vous en prie. Merci beaucoup. Oui, entrez. J'ai continué à creuser le passé des victimes. Ce point commun de la guerre d'Algérie, c'est quand même intéressant. Je vais aller faire un tour aux archives militaires du département. Ah, c'est inutile. J'y suis déjà allé, il n'y a même plus le dossier. Bah, tout de même, ça m'intrigue, c'est bizarre. Ça vaudra peut-être la peine d'interroger votre père, non? Vous croyez que je vous ai attendu? Concentrez-vous sur les magouilles financières de Tessier. Merde, le procureur. Bon, répondez. Hein. Dites que j'ai dû m'absenter, je le rappellerai. Ok, je vais lui faire un point. Vous ne faites rien. Vous ne lui dites rien, compris? Léon Messac. Mon Dieu. On a passé toute notre jeunesse ensemble, ici à Sainte-Eulalie. Il a rompu nos fiançailles du jour au lendemain. Regardez ce qu'il m'écrivait d'Algérie. Que des mots tendres. Des déclarations d'amour. Il était si gentil. On s'était promis depuis l'enfance. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? Oh, plusieurs choses sûrement. Cette guerre, sa blessure. Et... surtout l'argent. L'argent? Mais quel argent? Sa tante Félicie est décédée peu après son retour et il s'est retrouvé à la tête d'une grande fortune. Et il a refusé de me revoir. Il m'a fait dire que maintenant, il ne pouvait plus se permettre d'épouser une pauvre fille comme moi. C'est vrai que je faisais des ménages pour payer mes études. Et vous l'avez jamais revue? Non. J'étais humiliée. Maintenant, s'il y a quelque chose sur lui, je ferme le journal. Et dans ses lettres, il vous parlait de ses compagnons de régiment? Ah oui, il les aimait bien. Ah, sauf un Parisien. Une vraie teigne, il disait dans ses lettres. C'est Jules Charrier. Il s'en méfiait. Un voyou sans foi ni loi. Il s'est vanté de ne plus savoir combien d'hommes il avait tués. Il m'a envoyé... une photo, voilà. Avec ses camarades. Regardez. Yves Tessier, Francis Julien, mon oncle. Messac. Ah non, là, c'est Jules Charrier.
Là, c'est Léon. C'est marqué dessous. Jules Charrier. Il est mort là-bas. Regardez. Le caporal Charrier est mort en opération dans une zone particulièrement dangereuse. Son corps n'a pas pu être trouvé. Pour moi, c'est comme si Léon était mort là-bas. Vous êtes bien sur le répondeur de Marc Messac. Merci de laisser un message. Marc, c'est Alex. Il faut que je te parle. Je vais vérifier quelque chose chez Francis Julien, mais... il faut qu'on se voit, c'est important. À tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Karim est sur la piste de l'Algérie. Et Alex va chez Julien. Il faut pas que Julien lui parle, viens. Il n'y a plus rien à faire. C'est fini. Marc, c'est maintenant que tu dois choisir ta vie. On peut pas laisser cette fille foutre tout en l'air. Et tu crois que je vais te laisser faire? T'es pas en état de réfléchir, fais-moi confiance. On peut encore tout sauver, viens. Arrête! T'es en état d'arrestation! C'est terminé. Vas-y, tire. Tire, qu'est-ce que t'attends? Tu vois que t'as déjà fait ton choix. Je te sauverai malgré toi. Et tu n'as rien à faire ici. J'ai vu Colette Duvieux. Écoutez-moi, Francis. Vous êtes le dernier témoin de l'usurpation d'identité de Léon Messac. Tous les autres sont morts. C'est lui qui les a tués parce qu'il voulait parler, c'est ça? Fous le camp. Laisse-moi partir. Il faut venir témoigner. Il faut l'arrêter. Malin comme il est, et avec un fils gendarme, c'est encore lui qui va s'en tirer. C'est mon chien. Mais qu'est-ce qui se passe? Brutus! Francis! 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 Alex, mais elle était là? Non, mais elle devait venir le voir. Intéressant, vous nous direz tous au poste. Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai rien à voir avec la mort de ce type, moi. Mais arrêtez! C'est exactement ce qu'on fait. Non, écoutez-moi, écoutez-moi. Allez. Oui, chef. Quoi? Une crevaison? Ah, c'est moche. Bah, dites, vous avez bien fait de nous envoyer chez Julien, là. Il est mort. Même topo que pour les autres, apparemment. Ouais. Sauf que cette fois-ci, on a arrêté un suspect. C'est le major. Dites-lui qu'Alex est introuvable. On avait rendez-vous ce matin à 8h. Mais elle est pas venue, elle était pas chez elle. J'ai plus de nouvelles depuis. Écoutez-moi. Qu'est-ce qu'on fait là? Julien est mort. Chut. Je suis arrivé quand tu t'es évanoui. T'as vu? Le corps de Julien? Oui. La griffe? Le drap qui... Non, non, non. Ça, c'est le choc. C'est la mort de Julien. Je t'ai ramené ici. Je voulais pas qu'il y ait trace de toi près d'une victime, encore une fois. Il faut que je te dise. Tu sais, ce matin, je... Pas maintenant. J'ai besoin de toi. Faut que tu me serves fort, faut que tu m'aimes.
J'ai l'impression d'être au bord d'un gouffre. J'ai que toi. J'ai que toi. C'est sûr qu'elle est en danger! Marc, écoute-moi. Ce que j'ai à dire, c'est super important. Ouais, Karim? Ouais. Très bien, allez-y. Je vous rejoins tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? On a arrêté un suspect sur les lieux du crime. Faut que j'y aille, on fait une perquisition chez lui. Chez qui? Sylvain Jaume. Sylvain? Mais c'est pas lui. Écoute, ce que j'ai découvert... Moi aussi, j'ai des choses très importantes à dire, mais plus tard. Marc... Je dis plus tard! Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Je m'occupe de tout. D'accord? Surtout, tu bouges pas d'ici, je reviens. Alex, t'es où? Je m'inquiète vraiment. Rappelle-moi, je t'en prie. Qu'est-ce que tu fabriques? Je sais ce que je fais. On a arrêté Jaume. On va retrouver l'arme du crime chez lui, c'est le coupable idéal. C'est n'importe quoi. Il était à proximité de chacun des meurtres. La coupable idéale, c'est Alex Méjean. Qu'est-ce que t'as foutu? Tu devais nous débarrasser d'elle avec son fusil. Ça passait pour un suicide et l'affaire était classée. Il y a une autre solution. Non! Cette fille va te tirer les verres du nez, donne-moi ça, j'y vais. Non, attends, écoute-moi. Mais tu veux lui faire gober, quoi? Elle ne t'aime pas assez pour comprendre. Laisse-moi une chance. Ta femme t'a quitté parce que t'as descendu un type en service et fait une déprime, ça t'a pas suffi? Alex fourre son nez partout. Elle mène son enquête depuis le début. Elle n'est pas comme ta mère. Elle sera la première à nous dénoncer. Et quand tu seras en taule et ruinée, tu crois qu'elle va t'attendre? Tu as déjà été trop loin. Non-dénonciation. Complicité de meurtre. Si tout bascule, tu seras condamné et ta vie foutue, Marc. Encore une heure ou deux de courage. De vrai courage. Et tout doucement, notre vie reprendra comme avant. Marc. Vous voulez manger, mes chiens? Oui. Voilà. Marc?
Mais que... Marc, je sais ce que t'as découvert. Je sais que c'est pas toi, mais ton père. Tu dois pas te laisser manipuler. Hein? Mais qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui t'a fait, hein? Je te reconnais plus. On peut encore s'en sortir tous les deux. Tu m'aimes pas. Mais si, je t'aime. Mais... Tu mens. T'aurais pas dû enquêter sur moi. T'aurais pas dû aller voir Hugo et Julien toute seule, t'aurais pas dû. Marc, je t'en supplie, rappelle-toi quand on était gamin. Mais tais-toi! Tu peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait, tu sais. C'est très facile de tuer. C'est le seul moyen de sauver mon père. Il m'a tout donné. Marc! Pardon. Alex! 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 De voir enfin où tu vis. Ça te plaît? Oui. C'est beau ce que tu fais. Merci. Regarde, ça vient de Claude. Oui, c'est son écriture. C'est la lettre qu'on a cherchée partout. La confession dont il m'avait parlé, il l'avait postée. C'est pour toi. Alex, ma nièce chérie. Mon amour. Enfin, je peux te demander pardon. C'est à cause de moi, de mon silence, que tu as été chassé du village. Comment être digne de toi alors que je suis le complice d'un meurtre et d'une usurpation d'identité? La nuit où tu as défié le drac et donné rendez-vous à Marie devant son antre, j'y avais rendez-vous avec Messac, Tessier et Julien pour tenter de rééquilibrer le partage des terres volées à un pauvre garçon. Marie est soudain apparue, sidérée de nous voir échanger des liasses de billets. Si notre crime était révélé, nos vies s'effondraient. Terrorisée, Marie a pris la fuite et chuté dans le ravin. Quand j'y suis descendu, il était trop tard. Elle ne respirait plus. Messac a réagi immédiatement. Il nous a tous renvoyés, disant qu'il se chargeait de tout arranger. Une fois de plus, nous avons juré le silence. Sa vie. Tu vois, il y a au moins une chose qui me...
qui me console, c'est que vous vous soyez aimé. Magnifique. Toi aussi. Ça fait du bien de te voir comme ça. Il m'a fallu du temps. Merci. Pourquoi ? Pour m'avoir aidé à tourner la page, à surmonter mon chagrin, mes regrets. Tu as vaincu tes démons. Quoique. Quoique quoi ? Il paraît qu'on a toujours au fond de soi un drac qui sommeille. Toi aussi alors ? Peut-être, oui. Tu me protégeras ? Promis. Même pas peur. Play today. I'll make just a little prayer for you. Lola. When I'm moved in you, when I learn it all for you, no. Just revelation.